La vallée de la Somme présente des attraits insoupçonnés dans le domaine de l'archéologie. Elle est considérée par les spécialistes comme le berceau de la préhistoire, ce qu'ignore le grand public. Une vingtaine de sites s'offrent aujourd'hui aux visiteurs, dont certains sont encore en cours d'étude et permettent de mieux comprendre notre passé et par conséquent notre présent. C'est ici que, grâce à Jacques Boucher de Perthes au XIXe siècle, s'est développée l'étude de la préhistoire. La vallée fut également le terrain d'études privilégié de Roger Agache, pionnier de l'archéologie aérienne. L'archéologie, c'est l'identité de la mémoire qui permet d'expliquer les évolutions de la vallée et le rôle du fleuve aujourd'hui, tant au niveau de ses dimensions naturelles que de ses activités humaines. Le Conseil général souhaite fédérer l'ensemble des sites présentant un intérêt archéologique sur son territoire. Des sites préhistoriques les plus anciens, aux vestiges de la guerre de Cent Ans, tous les partenaires sont invités à rejoindre le réseau de la vallée de l'archéologie. Sur le grand versant qui relie le secteur de Montières à Amiens. C'est un versant qui fait à peu près 3 km et qui est un lieu vraiment privilégié pour essayer de comprendre l'histoire de la vallée de la Somme. La vallée de la Somme s'est déplacée et a creusé son lit progressivement depuis 1 million d'années. Et sur ce 1 million d'années, on a environ 10 cycles de 100 000 ans, glaciaires, interglaciaires, qui sont enregistrés. Dans le paysage, on devine plusieurs stades successifs de creusement de cette vallée. Un système de terrasses sur 1 million d'années. Les terrasses sont extrêmement bien ici schématisées sous forme de marches d'escalier entre 55 mètres ici et zéro. Donc on a 10 formations entre la ferme de Grasse à l'ouest et puis ici la vallée actuelle où se situe Amiens et notamment la cathédrale sur la droite. L'endroit où nous sommes exactement, il y a 1 million d'années, finalement, on était dans le lit de la rivière. Nous sommes à Saint-Achel, nous sommes dans un quartier d'Amiens donc, qui a donné son nom à une des plus anciennes civilisations préhistoriques, l'Acheuléen. La préhistoire est née dans la vallée de la Somme et ceci grâce aux travaux de Jacques Boucher de Perthes. Son idée essentielle qui l'a fait reconnaître dans le monde entier, c'est de montrer qu'il y avait un âge antérieur à celui des Gaulois, des Romains, un âge de la pierre. Et donc ça, il l'a démontré à partir des carrières d'Abbeville, en trouvant des silex taillés associés à des ossements d'animaux disparus. Tout ça, ça se passe au milieu du 19e siècle, dans les décennies qui entourent les années 1850. Donc il y a eu pendant une vingtaine d'années toute une polémique qui a été faite sur cette apparition de l'homme, et c'est grâce au site où nous nous trouvons ici aujourd'hui à Saint-Acheul que a pu être démontrée la grande ancienneté de l'homme et donc l'existence de l'homme préhistorique, l'homme antédiluvien, comme on l'appelait à l'époque. Et grâce à Boucher de Perthes, on est allé au-delà des connaissances qu'apportait la Bible sur la Genèse. Avant, on pensait que l'homme avait 6000 ans, et maintenant on sait qu'il a plusieurs millions d'années. Ici, on est dans un site qui a 400 000 ans. Caours se situe beaucoup plus récemment dans le temps. Enfin, c'est un passé relatif puisqu'il y a environ 100 000 ans. Et donc, Caours a été occupé, lui, par l'homme de Néandertal. Et actuellement, il y a des fouilles qui sont menées. Ça, c'est un biface, c'est l'outil emblématique de l'Acheuléen, c'est l'outil des premiers occupants de la région et c'était le couteau suisse pour les hommes de la préhistoire.
Nous n'avions plus de raison de craindre le feu. Il nous rendait la viande plus saine et plus savoureuse. Il éloignait les fauves et durcissait les pointes de nos lances. Nous pensions que la seule manière de l'avoir était de prendre quelques flammes d'un feu sauvage et de le nourrir en permanence. Un jour, nous vîmes arriver chez nous une tribu nomade inconnue. Nous étions prêts à leur faire la guerre, comme chaque fois que des étrangers venaient sur nos terres. Leur chef s'est présenté avec des pierres dans les mains. Il regardait notre feu dans sa cage et sourit. Il fit s'entrechoquer les deux pierres et nous vîmes des étincelles apparaître. Il nous enseigna comment produire le feu par nous-mêmes. Avec cet autre peuple que nous avons appris à connaître, nous avons échangé des savoir-faire et fait de nouveaux progrès. Aujourd'hui, depuis les origines de la préhistoire, il s'est passé pratiquement un siècle et demi. Et actuellement, la Somme est toujours au cœur des débats concernant le premier peuplement en Europe du Nord-Ouest. Le site ici est devenu un jardin archéologique où on peut se promener. Il y a toute une série de panneaux qui permettent de découvrir un peu la vie de l'homme préhistorique, ses activités, ce que les scientifiques ont pu extraire du sol sur ce site qui est accessible à tous et qu'on peut venir visiter tout à fait librement. Rimont-sur-Ancre, c'est un important sanctuaire gallo-romain. Le site a été découvert en 1963 par Roger Agache lors de ses premiers survols aériens, alors qu'il est en train de mettre au point les techniques de l'archéologie aérienne moderne. Au IIIe siècle, le site est fondé vraisemblablement après une série d'événements militaires. Il s'agit d'une sorte de trophée, un lieu où on a amassé les dépouilles prises sur les ennemis pour honorer les dieux. Et progressivement, donc, le site va se transformer en lieu de culte jusqu'à l'époque romaine où là, on aura les premiers bâtiments purement cultuels comme des temples. Dans les années 60, on s'aperçoit que le site est beaucoup plus vaste, qui comprend plusieurs monuments, qui comprend des habitations. Mais le plus important va être mis en évidence simplement en 1982. Sous les constructions du temple romain, on va trouver un site celtique qui, lui, est unique. Donc on y présente les dépôts de restes humains qui ont été trouvés, associés aux armes, associés aux restes de chevaux, et puis tout le matériel d'armement. Et on étudie également les problèmes de mise en forme, comment tout ça pouvait être fabriqué et forgé. Nous avons un savoir-faire métallurgique reconnu pour sa grande qualité. Nous avons même notre dieu des forges. Nous travaillons aussi le plomb, le cuivre, l'étain, l'argent, et l'or. Nous fabriquons des chars dont les roues sont cerclées de bandes de fer. Nous décorons nos chevaux avec le cuivre et le bronze argenté pour impressionner nos ennemis. Mais c'est le fer que nous savons le mieux travailler. Et nos épées sont fameuses. Aussi bien chez les Celtes, les Germains, les Romains et dans tout le monde connu. Le centre archéologique fait un petit peu la synthèse de 35 ans de fouilles. Et puis, on a des laboratoires où on peut initier les scolaires à l'anthropologie, par exemple, avec la manipulation d'un squelette, pouvoir reconnaître les os, recoller la céramique, expliquer comment, à partir d'un tesson, on est capable de reconstituer une forme. Ce qu'a voulu le Conseil général, c'est que ce soit directement les chercheurs qui soient au contact du public pour présenter les résultats de la fouille. Le Conseil général de la Somme, propriétaire du parc archéologique de Samara, rend hommage à la lignée de préhistoriens et d'archéologues et valorise les travaux archéologiques menés depuis le 19e siècle. Vitrine vivante des richesses du patrimoine archéologique départemental, le parc incarne les valeurs du grand projet Vallée de Somme et de la Vallée de l'archéologie. C'est un lieu de valorisation archéologique majeur, tant du point de vue local qu'international. Classé premier site naturel en France depuis 1985, Samara est aussi un véritable trésor de biodiversité.
Sur une propriété de 100 hectares, le parc compte plus de 30 hectares de faune et de flore préservées. Ici, on y met en scène l'archéologie. C'est un espace de découverte, des gestes et des techniques de nos ancêtres. La reconstitution pointue de la vie quotidienne permet d'appréhender nettement l'interaction permanente entre l'homme et la nature, et ce, depuis les débuts de l'humanité. Nous sommes ici dans les vestiges du prieuré de Morocourt, sur la commune de L'Étoile, le prieuré le plus septentrional de Fontevraud en France. Il y avait 150 à peu près prieurés qui dépendaient directement de l'abbaye de Fontevraud qui se trouve à côté de Saumur. On pourrait comparer l'abbesse de Fontevraud à un PDG d'aujourd'hui qui contrôlait un réseau de prières, mais aussi un réseau économique et social. Quand on a des vestiges, eh bien, ça offre la possibilité d'aller voir ce qu'il y a dans le sous-sol, ce qu'on ne peut pas faire quand on a des beaux bâtiments en place. Et donc, c'est en dégageant le sol que petit à petit, des indices de l'histoire de ce lieu sont apparus. Et puis, on va trouver des objets, de la céramique, des objets métalliques. Tous ces objets permettent d'écrire ce qu'on appelle l'histoire matérielle, comment vivait-on dans un monastère au Moyen-Âge. Amiens, c'est aussi le nom d'une famille de la noblesse picarde. Et c'est un membre de cette famille qui, avant de partir en croisade, pour expier ses fautes, puisqu'il avait été excommunié pour avoir mis le feu à certaines églises, a donné sa terre pour y fonder un monastère. J'adresse ma prière à la paix en ce jour anniversaire du 22 juin 1182. Je prie pour mettre un terme à la jalousie des religieuses de l'abbaye de Berthecourt-les-Dames qui est en train de nous diviser. Je crois que ce que jalousent les religieuses de Berthecourt-les-Dames, c'est l'influence grandissante de notre prieuré par rapport à leur abbaye. Pour l'anniversaire de la mort d'Aléaume, je prie donc pour mettre fin à la haine qui nous sépare et permettre à Dieu de nous rassembler. Aujourd'hui, le prieuré de Morocourt est accessible au public au printemps et en été, une fois par semaine, gratuitement. On a ce qu'on appelle un jardin archéologique avec des géométries végétales qui mettent en évidence le tracé des bâtiments à l'horizontale du prieuré. Nous sommes au château d'Aucourt, donc c'était un petit château de fond de vallée qui a été construit ici pour défendre le fleuve Somme. Ce château est représentatif de la construction qui a été faite pendant la guerre de Cent Ans. Donc on a un puissant châtelet d'entrée avec deux tours, le pont-levis au milieu, derrière une tour de guet. Donc l'origine de la construction c'est 12e siècle. Par les seigneurs de la Ferté de Saint-Riquier. Et après, il a connu beaucoup de faits de guerre pendant la guerre de Cent Ans, après, pendant la guerre de la Ligue, abandonné, et il a servi de carrière au 19e siècle. Nous, on s'est concentré pendant la guerre de Cent Ans. Donc le début, c'est la bataille de Crécy, hein, 26 août 1346, à 25 km d'ici, où les Anglais nous ont dominés par leur organisation. Je m'appelle Anselmo Baglioni, de Gênes, arbalétrier, soldat de fortune au service de l'armée du roi de France. En cette soirée du 27 août, s'achevait la pire bataille que j'ai connue, et nous aurions dû battre les Anglais. Alors, à qui la faute? La chevalerie a chargé à travers l'infanterie et les arbalétriers pour aller se faire mettre en pièces sous le tir des archers anglais. Cette bataille, c'est le parfait symbole de cette caste chevaleresque qui, méprisant le peuple, se détruisait elle-même. Comme à plaisir. On présente ici des animations très interactives pour que tout le monde puisse apprendre par le geste, par le jeu, des savoir-faire. On a aussi un peu côté guerrier, c'est-à-dire on va tirer à l'arbalète. Il y a aussi un petit peu de combat.
et une partie vie quotidienne avec le jardin médiéval et des tas de choses aussi à découvrir tous les jours. Comme on descend le fleuve vers la mer, la vallée de l'archéologie nous invite à voyager dans le temps depuis nos origines, puis à se réapproprier nos richesses archéologiques et notre patrimoine naturel. Fleuron de ce voyage, la cathédrale d'Amiens. Classée patrimoine mondial par l'UNESCO, joyau du gothique classique, pur XIIIe siècle, unique au monde par sa richesse et sa cohérence architecturale, ce vaisseau de pierre dominant le fleuve ouvre toute l'année ses portes et son histoire aux visiteurs.